facile si là tu ne feras une manne mouagée. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que l'écriture nous donne? Pour moi, il y a beaucoup de champs de militantisme, il y a beaucoup de moyens pour le faire. Et l'écrivain, à ce moyen-là, il milite à travers la lecture. Donc l'écriture me permet de crier, et de faire entendre notre voix à certaines personnes. Et moi, je vais vous raconter une toute petite histoire, pour ne pas être lent. Plutôt l'événement qui était, ou l'incident qui était derrière l'écriture de mon deuxième roman qui était publié en premier, Inch'Allah. Ce roman, et l'idée d'écrire ce roman m'est venue quand j'ai assisté à une scène qui m'a fait beaucoup pleurer intérieurement, qui ne m'a pas permis de dormir durant 2-3 nuits. On était invité chez un notable de Marrakech, et qui se prend pour un militant des droits de l'homme. Et heureusement ou malheureusement, ma place était en direct de la porte, et je vois une fille de presque 9 ans qui pleurait parce qu'il n'arrivait pas à me laisser assis. Et celle qui se charge à faire ce travail était une autre fille du même âge. Il s'agit de la fille du notaire et d'une petite bonne. Et la bonne de 9 ans essaie de consoler l'autre qui est du même âge, et je crois devant moi, une fille qui a le droit de pleurer et qui a le droit d'exiger certaines choses, qui est cette fille-là de l'avant parce qu'elle est encore enfant, et une autre dont l'enfance a été complètement annulée, complètement effacée. Et cet autre enfant, c'est-à-dire cette fille de l'avant, il a aussi le droit de pleurer comme l'autre. Et donc c'est une scène qui m'a beaucoup choqué et qui m'a permis de crier. Et en écrivant ce livre-là, Inch'Allah, c'est un roman de quelques 160 pages, c'est le plus court de mes romans, mais c'est le plus violent et le plus doux aussi. Alors dans ce roman-là, j'ai essayé de chercher une provenance à cette fille. Je m'y trouvais des parents, un père qui est mort dans un accident, parce qu'il était pisatier. On a expérimenté une certaine manière de perforer les pluies dans le temps et dans laquelle on utilisait des explosifs. Et les Marocains dans le temps n'étaient pas initiés, n'étaient pas formés. Et beaucoup de pisatiers ont fini leur vie au fin d'exploser et de discuter dans des puits. C'est marrant. Donc je vais trouver cette origine-là et puis toute une histoire. Et ce qui est important, c'est la suite. Une fois, je l'ai invité à présenter ce livre à Ijadida. Et sur mon chemin, il y a une fille qui m'appelle. Et c'était mon élève. Et il m'a dit, mon Lester, écoute, tu m'as fait beaucoup pleurer hier. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Tu as lu un roman sympathique, etc. Il m'a dit, non. J'ai beaucoup maltraité les bonnes. Et je les ai toujours considérées comme des machines. Je ne les ai jamais senties comme des gens sensibles. Et tu m'as fait comprendre que ces gens-là ont des sensibilités aussi, sans comme nous. Et donc voilà, je me suis dit, moi, ma tâche a été bien accomplie. Et donc c'est pourquoi on écrit, c'est pour cela. Au Maroc, on vit plutôt une certaine, je dis, ségrégation, un certain racisme entre les Noirs et les Blancs. C'est aussi, et ça passe d'une manière sous-jacente, personne n'en parle. C'est aussi, je l'ai écrit dans mon roman Le 8 heures. Donc le roman nous permet de crier et de faire entendre nos cris aux autres. Et c'est déjà pas mal, je crois. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier nos grands écrivains. Heureusement que j'ai eu la chance de lire pour O3 en quelque sorte. Et je suis déjà étudiante de M. Jaïd. J'ai eu aussi la chance de travailler sur ses œuvres. C'est ce qu'elle m'a, pour ne pas dire initiée, mais c'est ce qu'elle m'a plutôt fait aimer la littérature, surtout la littérature maghrébine, d'expression ou marocaine, d'expression française. Donc, les œuvres, ils m'ont toujours aidé donc, à réfléchir sur ma condition, à réfléchir sur mon pays, sur ce que je suis. Je me suis trouvée, en quelque sorte, dans cette littérature.
Ce dont j'ai besoin, c'est d'un conseil que vous pouvez adresser à un débutant en littérature. J'essaie d'écrire, c'est pas que j'essaie d'écrire, mais qu'il y a quelque chose qui me pousse en effet à écrire. Je me rappelle bien de la fonction thérapeutique de l'écriture. Et donc j'ai essayé d'écrire mes souffrances, mais le problème que j'ai, c'est toujours cette trahison, pour ne pas dire de la langue, mais de la condition, de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, quel est le conseil que vous pouvez adresser à quelqu'un qui aime la langue, qui aime la littérature, qui veut écrire, qui se sent toujours, je ne sais pas, on a toujours ce besoin d'écrire, mais qui ne trouve jamais la voie, c'est-à-dire on écrit, on barre, on réécrit, mais on ne sait pas toujours comment procéder. Merci. Moi, je me permets d'être le premier à vous répondre. Puisque vous êtes l'étudiante de M. Gélis, je ne peux pas vous répondre avant lui. Le maître d'abord. Ça me fait vraiment plaisir de voir dans la salle quelques anciens étudiants de Rédire. Ça fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'on en garde de très bons souvenirs. C'est des étudiants quand même qui aiment la littérature. Donc moi, je ne suis pas très alarmiste quand il s'agit de faire l'état des lieux donc, du livre au Maroc. Et là, je m'adresse particulièrement aux enseignants du cycle collégial, mais aussi du cycle secondaire, pour leur dire que l'essentiel, malheureusement pour certains élèves, l'essentiel des lectures se fait au lycée. Donc il faut multiplier les efforts pour faire aimer les textes littéraires donc, aux élèves, je pense, pour qu'ils puissent continuer d'aimer lire après le lycée. Voilà, donc je ne veux pas me permettre de vous donner de conseils, parce qu'il n'y a pas de recette en littérature. Je vais peut-être vous parler de mon cas personnel. Quand j'ai ressenti vraiment le besoin, j'ai bien dit tout à l'heure, et on ne se trompe pas, hein, parce que c'est une vérité, c'est une évidence, pour pouvoir écrire, il faut avoir énormément lu. Ça, c'est parce que la lecture est un processus d'alimentation du projet de création à venir. Ça, c'est... Moi, dans mon cas personnel, quand je me suis jeté à l'eau, donc j'écrivais, et je jetais, jusqu'à ce que j'entendais au fond de moi-même une voix qui me disait « il faut pas jeter, ça il faut garder ». Voilà, c'est très simple. Quand on réussit à trouver le texte, la phrase qui réussit à dire ce que nous avons vraiment envie de dire. Voilà. Merci. Et donc après, je vous réponds. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec un ami qui est écrivain, qui n'est pas encore écrivain. Écrivain parce qu'il a du mal à écrire, mais il n'est pas encore écrivain parce qu'il ne les a pas encore publiés. Alors, on est amis depuis très longtemps, et au début de notre amitié, moi je l'ai rencontré à la fac, il était aussi fonctionnaire que moi, et je lui ai dit, écoute-moi, j'ai une histoire qui me travaille, mais je me sens encore incapable sur le plan, je dirais linguistique, je suis encore incapable de l'écrire. Il m'a dit, tu cherches quoi? Je lui ai dit, la maturité. Sa réponse était, tu ne l'auras jamais. C'est-à-dire, quand on est satisfait de soi-même, c'est fini. Mon texte, moi je le lis avant de l'envoyer à l'éditeur, parce que j'ai un éditeur français et un éditeur marocain. L'éditeur français est très exigeant. Donc je le lui envoie après 20 lectures personnelles. C'est-à-dire que je l'écris et puis je relis une année de lecture. Et à chaque fois, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Il faut redresser, il faut ajuster, etc. Mais quand je lui envoie, il y a toujours des remarques. Donc, lancez-vous si vous sentez que vous avez l'envie, vous travaillez du fond. Si vous sentez que vous avez besoin d'écrire, lancez-vous. N'écoutez personne. N'écoutez aucune autre voix. Et je vais raconter l'histoire de mon premier roman. Je l'ai envoyé à 5 éditeurs marocains. Et les réponses étaient toutes négatives, c'était des refus. Il y a même une réponse qui ferait l'injure. Je récite texto,
l'engrenage catastrophique des malheurs n'est pas engageant pour les lecteurs. C'est-à-dire que c'est pas un roman. Et le même roman, je l'ai envoyé à quelques éditeurs français. Bien sûr, il y a ceux qui ont répondu positivement. Celui qui a répondu positivement, c'est celui qui l'a publié, Le Serpent à Bure. Et c'est un roman qui a fait sa vie. Donc, on est dans le champ des sens humains. C'est-à-dire qu'un roman peut être apprécié par une personne et peut être désapprécié par une autre. Alors, si vous avez l'envie d'écrire, n'hésitez pas, lancez-vous et certainement on fera un jour une table ensemble. Moi, je ne suis pas écrivain, heureusement pour les lecteurs, mais je peux vous le dire. Hein. Vous savez ce qu'on avait dit à Balzac quand il avait commencé à écrire, qu'il a été lu par ses premiers lecteurs, on lui avait dit « Faites tout ce que vous voulez, sauf de la littérature ». Vous voyez bien ce qui est devenu la comédie humaine. أصدقاء اليوم غادي إلى اللي نقول لكم تشاو 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 نتلاقاو في حلقة أخرى وما تنساوش كذلك أصدقائي أنكم ديروا لايك وسبسكرايب بالنسبة للاشين ديالنا وتفعلوا الجير ديال الجرس باش أنكم توصلوا لجديد الحلقات وكذلك كاينين مجموعة ديال لي فيديو اللي هضرنا عليها هضرت فيهم على لابورس دخلوا للقناة ديروا ريد مباشرة بعد ما تدخلوا القناة ديروا الفيديو وقلبوا في لاشين كاين مجموعة ديال الشروحات بخصوص الكليات والشعب اللي كتقراو وكذلك لابورس نتلاقاو في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى باي باي.